Salut tous les amis, c'est mon Jumper, j'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi c'est nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le chapitre spécial de Poppy Playtime, chapitre 2. Et comme vous le voyez les amis, oh là là, on a Daddy Long Leg sur le menu du jeu. Oh, il est tellement stylé. Oh, il a l'air d'être tellement plus puissant, plus balèze que Mommy. Oh là là. Et regardez les amis, si je vais dans Play, on a Eddie. Oh, trop stylé. Et du coup, attends, genre il va y avoir la main de Mommy qui va venir le... Oh, attends, c'est genre... Oh, c'est la main. C'est la main de Daddy. C'est la main bleue de Daddy. Oh là là, on a Daddy Long Leg dans le jeu. Alors les amis, je vous rappelle quand même que Daddy Long Leg, c'est-à-dire lui, hein, hein, c'est bien sûr le copain, le compagnon, hein, de Mommy Long Leg. Il vient prendre bien sûr sa revanche, on va dire ça comme ça, hein, dans le chapitre 2. Bah écoutez les amis, on va tout refaire. J'ai hâte de le recroiser à chaque endroit de l'usine de jouets les amis. On est parti. Ok, allez du coup, let's go. Nouvelle aventure. Daddy Long Leg, j'arrive. Alors, est-ce qu'on va avoir la pub comme, comme avant? Ah, la petite cassette. Ah oui, d'ailleurs, c'est à cet endroit-là, regardez. Je peux pas vous le montrer, mais regardez, tout à gauche, on voit la main. On voit la main dans l'ombre du prototype. L'expérimentation 1006. On est de retour, les amis, au début de Poppy Playtime chapitre 2. Oh, je sais pas du tout ce qui m'attend. Je sais pas s'il va y avoir Daddy à d'autres endroits. Oh, ça va être ouf. Ça va être ouf. Oh là là, t'imagines, ils vont ajouter bientôt le bébé. Oui, parce que je vous rappelle que ça, c'est officiel. Hein. En mode, on le voit sur une affiche avec Mommy et tout, tu vois. Allez, Daddy, j'arrive. Attention. Abeille, ok. Poppy, Poppy, mais Poppy, qu'est-ce que tu fais là? Poppy, ça va? Qu'est-ce que... Listen. Écoute. I'm going to need you to trust me. Oh! C'était la main de Daddy. C'était la main de Daddy. Poppy, attends. Ramène-toi, Daddy. C'est avec moi que t'as un problème, pas avec Poppy. C'est moi qui ai envoyé Mommy dans le broyeur. Ok. Donc là. Oh non. Oh non. Oh non, c'est lui! Oh maman! Oh non! Oh, son chapeau! Sympa la moustache, Daddy! Oh la tête qu'il a! Ah ouais! Ah, toi aussi, tu veux jouer? Comme avec Mommy, c'est ça? Wow. Oh, il est tellement space! Il est encore plus élastique, j'ai l'impression. Regarde, même sa tête, elle arrive à se détacher du corps. Oh, la tête. T'inquiète, Poppy. Je te ressemblerai une fois, je te ressemblerai une deuxième fois. Oh. Ouais, non, tu vas me le donner, ce... En vrai, c'est tellement bien fait. Tellement stylé. Il a un beau chapeau. Attends, mais je crois qu'il a même un nœud pape, hein. Ouais, c'est ça, il a un nœud papillon. Regardez, regardez, regardez. Il est là. Gentleman. Bonjour. Ouais, un coca s'il vous plaît. Attends, mais même les yeux, ils ont changé de couleur. Attends, c'est un truc d'ouf. Non, reviens, Daddy. Très bien, un plaisir. Plaisir de t'avoir rencontré, Daddy. Et là, on est de retour à la station de train. Ok, à tous les potes, hein. Bunzo, l'abeille, Kissimissi, Aki Wagi, la chenille. La vilaine chenille. Oh là là. Alors justement, je me souviens que je m'étais toujours demandé si si elle nous surveillait du dessus, tu sais, Mommy. Et on la voit pas du tout, hein. Bon bah très bien, j'ai perdu une main, c'est impeccable ça. C'est super, c'est super. Bon, bah, j'imagine qu'on va devoir affronter une fois de plus le Wakugi, le Musical Memory et bien entendu la chenille, le démon, hein, bien entendu, qui nous attend où il faut pas bouger. J'ai pas l'impression qu'on la voit, hein. Non non non, elle nous voit pas. Enfin, ni Mommy, ni Daddy. T'imagines, les deux sont là et avec le bébé. L'enfer. Et d'ailleurs, les amis, regardez, vous avez toujours rêvé, regardez, de voir un petit peu ce qu'on voit au niveau des épreuves. Regardez, on voit Daddy qui nous observe. Oh là là, avec Bunzo. C'est ouf. Donc c'est comme ça, en fait, qu'il est... Ok, très bien. Oui, j'ai compris, je viens jouer, j'arrive. C'est bon, je connais la couleur verte, je connais. Tu peux remonter, Bunzo, merci. Alors, Daddy, on attaque le prochain jeu, là. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est bien, Daddy, moi je vais balader, là, je te laisse jouer tout seul avec ton jeu, en fait, hein, et Oh, c'est l'endroit où il y a Kissimissi. Oh! Et là, c'est le Kiwoki, tu sais. Et là, il nous poursuit, tu sais. Oh, attention! Elle est là! Oh là là!
Oh là là, qu'est-ce qu'elle est stylée, qu'est-ce qu'elle est belle. Les amis, vous êtes jamais demandé ce qu'il y avait derrière la grille, regardez. Et là, il se passe quoi du coup? Attendez, je vais voir. Kissy Missy, je suis là. Viens. Viens, Kissy. Et là, du coup, elle va où? Oh, elle a disparu. Elle a disparu. Oh, mais en fait, elle disparaît. Après, je pense qu'à mon avis, elle va par là, tu vois, avec... Oh, c'est quoi ces jouets de momie, là? On dirait un peu... Ça... Je sais pas, on dirait que ça a brûlé, ou alors... Il y a quand même du bleu, donc ça représente quand même... Daddy Longleg, mais j'ai l'impression que le jouet... Ouais, il est pas en forme, le jouet, hein. Et les amis, je suis déjà parti, justement, pour le dernier jeu de Daddy Longleg. Allez, vas-y, viens là. C'est bien sûr la statue. Allez, voilà. Oh... Ah, cet endroit-là est tellement stylé aussi également. Allez, les premiers de la chenille, c'est terminé. À la plus. Et du coup, direction... Voilà. Le trou. Et là, les amis, vous allez voir que après la fameuse épreuve de la chenille, vous allez avoir le... J'ai cru que j'allais tomber. J'ai vraiment cru que j'allais tomber. Vous allez avoir le fameux poster dont je vous parlais. Allez, on va aller voir ça. Et regardez. Si on arrive là... Moi, je l'avais loupé la première fois. Regardez. Il y a Mommy Longlegs and Family. Maman longue jambe et la famille. Oh, c'est tellement stylé. Donc là, on y voit Mommy, le daddy et le bébé. Allez, ils sont tellement stylés, quoi. Oh, c'est tellement ouf. Ils sont vraiment, vraiment stylés. Alors les amis, avant de retourner voir Daddy Longleg, regardez si on arrive justement dans la fameuse zone des convoyeurs. Vous savez où on doit orienter pour que les jouets de Banzo, en fait, ils doivent atterrir tout en haut. En fait, regardez, ici, au niveau des murs, on a... Regardez, hop, je fais en sorte de voler les poils de Huggy. Avec du sang et tout de Huggy, j'imagine, hein, vu qu'il était, tombé, je vous rappelle, dans le chapitre 1. C'est ouf, hein. J'en avais parlé, mais on les avait pas vraiment bien vus de près la première fois. C'est incroyable. Voilà, donc est-ce qu'il est parti dans un des autres conduits? On n'en sait rien du tout, mais en tout cas, regardez, il y en a même encore ici, quoi. C'est ouf. On dirait qu'il est passé... Ouais, c'est ça, regardez, d'un conduit à l'autre. Il a dû passer par là, je pense. Ah, c'est ouf. C'est vraiment ouf de voir ça de vrai. Alors normalement, les amis, il me semble que si on arrive ici, on va certainement croiser... Oh, Daddy! Oh, Daddy, non, mais c'est bon. Je déconne. Oh là là, il est vénère. On va jouer le dernier jeu. Et ça s'appelle... Cache. Oh là là. 9 8, 7, 6, 5, tu fais peur, 4, 3, oh tu fais peur, 2, 1, bah je voulais voir ce que ça faisait, bah je suis pas déçu. Allez, on se casse, faut se cacher, oh c'est le poster du broyeur. Oh, fais attention à pas te coincer en gros avec le système de backpack. Oh, c'est tellement stylé, le clin d'œil à la fin du jeu, quoi. Bon, allez, moi, je dois aller me planquer. Ouais, c'est bon, je suis caché, Danny. Ah, tu sais, le but de cache-cache, c'est aussi de venir me chercher, en fait, hein. Où est-ce qu'il est? Il est où? Oh, le voilà. Le voilà, vite. Ah, il arrive. Oh, c'est bon, je suis caché. Il va passer. Il est passé avec son chapeau. Allez, Danny, c'est terminé le cache-cache là. Allez, on se casse ici, les amis. On se casse. Vite, j'ai un train à prendre. Vite. Allez. Il a pas intérêt à me suivre parce qu'à mon avis, je pense que lui aussi il va s'en souvenir. Tout comme Mommy. Ok, allez, let's go. Allez, ouverture. Oh non, il arrive. Oh non, il arrive! Eh ben, téméraire, hein, comme Mommy, hein, ce que je vois. Très bien. Oh, vite! Avec son ombre de chapeau, là. Oh, excuse-moi, tiens, désolé, attention, ça va se presser. Oh! Alors, fais-moi le malin, Danny. Allez, terminé! Terminé pour toi, mon gars. Allez, salut! Et voilà, terminé, Danny. Ah, et bon, son chapeau il tient bien, hein. Il est même pas tombé, quoi. Oh, le prototype expérimentation 1006. On a tellement hâte de le voir, lui, dans le chapitre 3. Bon, bah, salut, Danny, hein. A plus. Très bien. Bon, allez, ouverture. Alors, apparemment,
il y aurait une autre surprise. C'est là au niveau de la cassette. Du prototype. J'adore ça. Faut qu'on voit ça. Est-ce qu'ils ont changé un truc, je sais pas. On va voir, on va voir. Allez, on y va, on y va. On grimpe, on grimpe. On grimpe. Voilà, au moins, on sera plus embêté par Daddy, ça c'est clair. La cassette. Ok, bah écoute, je vais lire ça. C'est quoi, c'est des infos en plus sur le nouveau monstre. Moi, ça me va, le nouveau jouet. I'll have security turn the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Oh, ça a totalement changé! Skimini, I'm gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not mon- On fait des jouets, tu mens, pas des monstres. Ooh. Oh, c'est le prototype! Il y a plein de questions qui sont sans réponse. Bah oui, ça c'est clair. Déjà, qui est ce nouveau monstre? Le prototype 1006 1006. Je peux pas être plus proche. Hein. Oh là, c'était la main ça? Oh là! C'est le nouveau menu, on dirait! Les mains avec UTI, ok? Allez! Eh, mais ça, c'est le truc dans le train à la fin, ça! On voit la main sur la vitre du train! Mais je me souviens pas du tout de ça! C'est lui qui nous fait dérailler en fait! Volontairement! Oh, c'est ouf! Ah ouais, t'imagines, c'est vraiment lui avec sa technologie qui nous fait derrière vu qu'il peut... Il peut stopper l'électronique! Poppy Playtime! Allez! Ouais, c'est trop bien fait quand même. Chapitre 3. C'est ça? The Prototype 1006. Ah, stylé! Ah yes! Ah là 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 là! Coming soon pour bientôt. Ah ouais, il donne envie de ouf. Ah c'est tout. Ah, j'aurais vraiment voulu avoir la suite, moi. Je voulais la suite, moi. Je voulais la fin, moi. Alors les amis, attendez, on n'en a pas totalement terminé avec Daddy Long Leg. Apparemment, il existerait une version 2.0 de lui. Attends, faut absolument que je la voie. Faut absolument que je la voie. Ah, ok. D'ailleurs, ça sera deux Daddy au broyeur, hein. Écoute, hein. Donc, il faut absolument que je vois ça. Quoi, il va ressembler? Ok. Jusque-là, tout va bien, hein? Ok, très bien, très bien. Bon, bah écoute, pour l'instant, il a pas l'air d'avoir de Daddy, non? Attends, c'est Mommy ou... C'est Daddy! C'est le Daddy du poster! Alors, il est moins gros que le poster, mais par contre, il a le même chapeau! Oh! Non, attends. Oh! Énorme! Oh, il est stylé! Ah ouais, désolé Daddy, je suis désolé. Bon bah, ça aura fait deux Daddy au broyeur, voilà. Deux Daddy au broyeur. Oula, ça par contre, le côté chewing-gum, on m'avait dit élastique, mais à ce point-là, en fait c'est pas un jouet, c'est un bonbon. Il y a concept en vrai, c'est un bonbon ultra intelligent. Allez, salut Daddy. Par contre, prototype, t'oublie pas un bout de... Non. C'est comme une laisse, au bout d'un moment il va revenir. Ok, allez. On se casse ici. Très bien, et bah voilà. Et bah les amis, c'était ouf. C'était ouf ce mode. Oufissime, bah justement, attendez, il faut absolument qu'on... Pour fêter ça, on va d'abord libérer Poppy. Et après on va surtout retourner au menu quoi. Oh là là, ça donne tellement envie d'avoir ce chapitre 3 et surtout déjà d'en avoir un petit peu plus, d'en savoir un peu plus hein, avant d'avoir le chapitre 3 qui sort, d'en savoir un peu plus sur le prototype. Alors d'ailleurs, il faut savoir que j'ai déjà réussi, regardez, je vais vous le montrer, à tricher une fois comme ça. Regardez, sans mode, sans rien du tout hein. En fait, faut savoir qu'on peut passer là, hein, au niveau de, bien sûr, de la station de train. Je vais pas dire la station de métro, mais bon. Ah, d'ailleurs, vous savez que les vitres qu'on voit là dans la train station, hein, on a l'impression que c'est genre l'extérieur, tu sais, ça donne une impression que voilà, c'est ça, c'est la lumière du jour. Mais en fait, pas du tout. J'avais remarqué en baladant ici qu'en fait, voilà, c'était des lampadaires qui étaient cachés derrière ces vitres. Voilà, hein, c'est pour donner un aspect un peu extérieur, alors que pas du tout, hein, t'es loin d'être libre. Et en fait, si tu grimpes ici et tu sautes là. Attends, non, je crois que non, tu peux sauter directement en fait là en fait. Regarde, voilà. L'abus. Voilà, tu peux atterrir directement ici sans aller récupérer Poppy. Alors le problème c'est que bon, t'as pas le dernier code, donc du coup tu peux pas la sauver. Mais voilà, tu peux si tu veux t'amuser à aller sur le train. Tout va bien, voilà, petit glitch en bonus. Oh, et là il y a un secret en plus, voilà. D'ailleurs on peut pas changer les aiguilles. Non, pas du tout, bah très bien. Bah écoutez les amis, on retourne bien entendu sur le menu du jeu avec notre cher
Dadinon Greg. Oh là là. Alors qui, bien sûr, vous avez remarqué, hein, c'est le trailer, la bande-annonce du chapitre 2, mais avec Daddy. Voilà. Et bah écoutez, les amis, j'espère que ce mod, avec ce chapitre spécial, enfin en mode chapitre spécial de Poppy Playtime, chapitre 2, vous est extrêmement plu, les amis. C'est le cas, bien sûr. Je vous invite à lâcher un maximum de likes. C'était ouf. Que ce soit les deux versions de Daddy Long Leg et aussi également de cette cassette, un petit peu trailer secret, hein, bien sûr, du chapitre 3. Ah, je vous rappelle qu'il va se dérouler au niveau de. Bah écoutez, je crois que c'était Playcare, il me semble, voilà, c'est ça. L'ère de jeu des petits, il me semble. Et ce qui est cool en plus de ça, les amis, c'est qu'on a découvert des secrets qu'on n'avait pas vus de nos propres yeux les fois précédentes, voilà, comme le poster, enfin les deux posters et même également les poils de Dim. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Poppy Playtime. Allez, ciao les amis.